Ouais. Tu trouves pas qu'elle est douce, ma copine? Mais non, elle est barbue, ta copine. T'as des yeux, t'as des labos, t'as du javel. Non, elle est douce, elle a des beaux cheveux. Oh, elle est douce, ta copine. Mais ça va pas. Bon, oh. Mais... on dit, elle la toile aimerie. Bon, mais c'est pas blague. Avec sa jambe qui se dévisse. Oh, bah merde. Elle est trop... Ah ouais, elle est trop... bonne. Elle est mieux que toi, en tout cas. Oh, ta gueule. Non mais elle te ressemble en plus, hein. C'est marrant. C'est pas bon. Ah oui, je suis d'accord, tu as les moustaches. Non, pas du tout. T'es sûr qu'elle a du moustache en bas, mais pas... Oh, j'avoue, laisse tomber. Bah, elle est belle, en tout cas, tu le vois bien. Mais ça va pas. Elle ressemble à une vieille bique. Oh, une bique avec des... avec des... Bah oui, ah ouais. Putain. Une bique avec des mamelles d'une bretonne ou d'une normande, c'est tout. Mais je te raconte pas le truc, elle a des fesses. Mais bon, Jason, tu vas là. On fait des sketchs. Pas passer dans le courant d'air. On va se rappeler froid. Attention. Elle est bonne, tu peux même pas imaginer. Marrête, c'est beau de rêver. Oh là là. Oh. Et tu l'as connu où? Je t'ai déjà dit un fois dans un bar. Dans un bar, mais il était où le bar? Je suis rentré complètement bourré, tu le sais pas? Ah si, si, je sais. Oui. Je dégueulais partout. Ouais. Tu fais connaissance d'une fille et puis tu vas te saouler la gueule, on croit que la fille n'était pas tellement intéressante. Oh, hein. Ouais, t'es super. Bon, ben, bah, arrête de boire. Hein. Et n'en profite pas. Tu viens ici, son truc, son maillet, 100 tonnes. Tu te files 1000 tonnes sur la gueule, moi. 100 tonnes. Et ma copine ne se sert pas de ça pour moi. Hein. Elle se sert ça pour les autres gars, pas pour moi. Parce que moi, elle me trouve très séduisant. Et d'ailleurs, elle voudrait bien te séduire. En plus de tous les défauts qu'elle a, elle est mieux en plus. Non, pas du tout. C'est seulement que elle m'a beaucoup parlé de toi, d'ailleurs. Comment un peu? Je la connais pas. Si, tu la connais, ouais. Celle que je t'ai rencontrée la dernière fois. Oh, putain. Ah, elle t'a trouvé super craquant. Ouais, c'est ça. Ah, en plus, une tente de moustache, mais ensemble, c'est... Non. Ah bon? Non. Tu trouves pas? Dominique Gissin. Pourquoi? Elle est mignonne. Ouais. T'es dur quand même, moi, je trouve. Que t'es très... Pépé? Oui, alors t'as piqué. On te veut ta voiture? Oh, on t'embarque ta voiture à la fourrière? Va voir, j'ai pas le temps de descendre. Bon. Mais vas-y là, c'est pas moi qui ai les papiers, c'est toi. Bon, bah ben, écoute, je vais voir. Hein. Si c'est intéressant, si la fille elle est bien, ben, je tire avec elle. Hein. Dis-lui qu'elle m'attende. Ah ben, ça m'étonnerait, dépêche-toi, vas-y. Ouais, hein. Pépé, fais attention à la voiture! Je lui ai dit de pas faire traverser la voiture! La voiture! Une semaine d'hosto. Oh, c'est pas, j'ai envie de servir un verre, moi. Oh la vache! Oh, qu'est-ce que c'est que cette bagnole? Mais tu allais après conduire avec une bourrouette? Et puis non, t'as regardé la main. Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'était ma... C'est une Rolex? Elle est partie avec ta Rolex? Elle est partie avec ta Rolex? Ouais. Bah, je t'ai dit, tu as regardé, fais ta Renault là, il y a une Renault qui t'a rentré dedans. Elle t'a rentré dedans? Si tu le dis! Moi, je te crois! Elle t'a rentré dedans, hein. Je te l'avais dit. Un petit peu. On joue pas avec la bouffe, hein. Mais je joue pas avec la bouffe. J'avais faim. J'aurais été me chercher une grosse. Tu veux manger quelque chose? Sans rire. On peut faire... Je te fais un canal.
Un canal. Tu vas te calmer, hein. Ne joue pas avec la bouffe. Mais en tout cas, t'aurais pu faire gaffe, je t'ai appelé de la fenêtre. Oh, mais c'est pas grave. Une Renault. Une Renault, mais quand même, un 4x4. T'aurais pu l'éviter? Mais non, monsieur, il rentre dedans. Et tu crois pas que ce serait plus logique que ce soit qu'il m'évite? Lui, pour vrai, t'aurais évité. L'autre, je vois un abruti qui fait ça, moi. Madame, ah, madame, toi, Rolex. C'est toi qui tiens la fenêtre, je comprends. Mais moi, je te préviens. Et qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Il saute. Il voit tellement choper la fille, monsieur saute. Ça va pas, non? Ah, qu'est-ce que tu as dit? Ah, franchement. Ah non, franchement. Et tu comptes pas les appeler? Non, non, on a la foutre. Donc tu veux que je le fasse pour toi? La Rolex? Oui. Tu veux que j'appelle ta voiture pour toi, tu vas me dire. C'est une imitation. Oh. Oh, remarque! Peut-être que l'assurance, ça peut marcher. Oui, je sais qu'il donne à peu près 1000, 10 000 euros. C'est ta voiture, il te donne entre 1000 et 10 000 euros. Entre 10 000 et 1000? Je peux avoir 5 000? Oui. Mais t'es sûr de ton coup? Ah oui, je sais que c'est en deux là. Si ta voiture est si importante et quand je pense que c'est une Rolex, ta voiture. Ah, ça vaut peut-être plus? Ah, peut-être possible, je sais pas plus, hein. Je sais que c'est peut-être entre les deux. C'est intéressant quand même. Bah, non, on va pas perdre de temps. Hein. Bah, vas-y, mais moi. Il faut que j'aille armé. Non, non, vas-y, la simple. Non, il faut que tu conduises ta voiture. Bon, écoute, à tout à l'heure. Hein. Ok, bah, à tout à l'heure alors. Si ça vaut le coup, je t'enverrai une carte, je reviens pas. Il revient pas, je l'échange contre un chien. Ah, franchement, il m'énerve. Ça, Rolex. Une voiture. Et on va pas mettre une Rolex dehors. Ça va pas, non? Allô? Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Oui, monsieur l'agent, oui. Oui, c'est bien mon grand-père, oui. Je ne suis pas au courant. Ah, si, tout à fait, si. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais je m'attendais pas à ça du tout. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Il... D'accord. En plus, il a insisté. Merci, d'accord. D'accord, je viens le plus vite possible. Je rêve. Cet abruti s'est fait avoir. Je rêve. Monsieur, il va là-bas. Il les harcèle. Et il ne donne pas d'argent. Je rêve. Et il insiste parce qu'on ne lui donne pas d'argent. Je rêve. Et maintenant, il faut que j'y aille avec 1000 euros à la caution. Pourquoi j'ai raconté cette connerie, moi? J'en peux plus. Ah, franchement, Pépé. Je crois que je vais vraiment le changer contre un chien.